Et salut tout Sens, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Terraria Community Mode. Aujourd'hui encore une fois je pense que j'espère que ce sera pas une vidéo courte. On va faire quand même pas mal de choses. Déjà on va commencer à faire la première chose qu'on va faire, c'est de faire un boss, voilà, Abomination. Du coup je pense que vous savez lequel c'est The Plague Inc. Du coup voilà. C'est un boss, vous allez comprendre très vite. Moi je vais pas non plus vous expliquer je pense ça. On a maintenant là, du coup la Titan Scale Potion, je sais même pas comme ça mais bon voilà, qui elle permet en gros de gagner 5 de défense etc etc. En fait en gros elle se craft avec des beetles et avec les beetles armor qu'on gagne grâce en tuant le golem. Mais du coup nous on l'a aussi gratuitement, on l'a ici en payant 5 or, ce qui n'est quand même pas si mal. Ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup vous avez pu voir là qu'en dessous. Je fais voilà une plantation du coup parce que j'ai quand même le mode hors seed. Une plantation de du coup de tout ce qu'il faut, enfin de tous les composants d'une Bar of Life, c'est-à-dire des pérennials ici des cryoniques et ici un début de qu'on appelle de chaos plutôt. Du coup donc je me suis déjà fait l'armure chaotique, voilà l'armure d'Ataxia. Voilà. Du coup on a tout ça. Je pense qu'on va se dépêcher parce que je viens de voir quelque chose. Du coup à tout à l'heure, petite pause. Et bon du coup ça y est voilà on est arrivé à la jungle. La jungle dont bientôt je ferai Ouh là là. Ouh là là, c'est quoi ça? Ah c'est des plagues d'accord des plagues slime. Et sinon en gros là il y a beaucoup de mobs qui deviennent en plagues. Et du coup on va d'abord commencer par se balancer la zen potion parce que clairement voilà. Du coup on va faire je pense ce boss là dans cette vidéo. Je vous en prépare d'autres, mais celui parce que je pars bientôt en vacances, du coup j'essaie de me dépêcher. Du coup voilà. Du coup bah en plus on a pile assez pour se refaire au cas où hein, une abomination. Et c'est parti. Je pense qu'on peut faire le boss. Si ça buguait pas. Alors je vais utiliser cette arme là je pense. Ouh. Le boss fait des dégâts mais monstrueux, c'est chaud. Là on se retrouve vraiment à la hand armored du coup. Là on commence à avoir des boss plutôt cheatés. J'ai oublié qu'il balançait des nukes lui. Non c'est bon on est foutu. On perd trop de vie là. Ça y est c'est futile. Ok. Petite du coup pause et on se retrouve à tout à l'heure. Et rebond du coup c'est bon. Là en fait j'ai pas pris la flasque d'Isher aussi. Du coup peut-être que c'est à cause de ça. On verra ça. Et au pire voilà on fera... une autre stratégie, j'ai quand même fait un petit truc ici au cas où pour se protéger. Je pense que ça va plus nous handicaper qu'autre chose. Voilà, mais on va quand même tester. Je me suis fait notre abomination, c'est parti. Et au pire, on sera obligé de farmer. Du coup, ça sera problématique. Et attention, on va quand même la mettre ici en fait. Genre à la place de ça, la site elle est pas encore puissante. Voilà, on perd quand même de la vie dès le début. En vrai, le problème c'est que le boss, genre, il spawn vite dès le début et ça nous dérange un peu. Alors pourquoi le jeu bug à ce moment là quoi, c'est... Vous voyez en gros là c'est ce moment là, c'est genre en gros c'est le moment genre bug du jeu qui fait que ça devient très difficile de jouer. Donc voilà. Ouais il a l'air de prendre un peu plus cher quand même franchement avec les flasques d'Ishore et pourtant on le touche quasiment pas. C'est problématique. Est-ce que comme ça on le voit mieux? Oui on le voit mieux. Genre si on le suit des regards et tout ça passe. Ok ça va, là il a pris un peu cher. Voilà, on va le faire prendre cher, on va le faire prendre cher, on va le faire prendre cher, très cher, très cher, très cher. On pourrait lui faire prendre encore plus cher, genre si on lançait un gros coup de truc. Bon pour l'instant là on peut pas parce que là genre là le but c'est juste d'esquiver parce que clairement le jeu bug mais sa mère quoi, c'est problématique genre en gros pourquoi tu bugs comme ça le jeu, c'est... Voilà c'est bon. Oh là il a pris très cher. Voilà. Oh. Oh. Le boss a pris très cher là. D'un coup c'est... En fait peut-être qu'en fait faut juste se rester à son contact et ça marche. Je suis pas sûr en fait. Ouf. Ouf. On l'a battu avant de mourir, c'est chaud. Bon, c'était un peu dégueulasse. J'ai rien vu moi non plus.
Mais au moins on l'a fait. Du coup je suis content. Oh là là, j'ai le cœur qui bat parce que j'ai fait vraiment de la merde à la fin. Dégâts magiques. Oh, c'est très marrant. Toxic Earth, Brain Witness. Ce player. Ah, if above. Putain, je plague. Ça a l'air d'être assez bizarre. Clairement, parce que ça a l'air de nous affaiblir. Si on est environ à 85, c'est assez bizarre. C'est très 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 bizarre. Je veux comprendre le truc. Bref, tant pis. Et ça, ça bah du coup, c'est des dégâts de distance. C'est The Hive. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir l'épisode. Encore une fois, c'est très court. Mais je suis en train de voir la courbe de progression des boss. On arrive dans pas longtemps vers la fin de la hard mode. Donc, merci à tous d'avoir l'épisode. Cet épisode, du coup, je vous dis la prochaine fois pour une prochaine vidéo, je pense, un peu plus longue où on se fera beaucoup plus de boss. Bisous, bisous.